Astromonte, c'est un très beau film. Dans Astromonte, on a Giulia qui arrive dans un village oublié de tous en Calabre. Sono la nuova maestra, Giulia Tedeschi. Astromonte se passe dans les années 1950 à Africo. C'est un film qui nous plonge dans la merveilleuse ambiance d'un petit village très reculé du sud de l'Italie. Qui siamo noi, giù in Calabria, e qui su c'è la Lombardia. Il se fait qu'aucune route n'arrive à ce village. Un jour, une femme meurt en couche car un médecin n'a pas su rejoindre le village. Et ils vont décider de construire une route pour être moins isolés. Non avete nessuna autorizzazione per poter costruire una strada. On a deux très beaux rôles dans ce film, donc Valeria Bruni Tedeschi et Marcello Fonte. Marcello Fonte qui a eu le prix d'interprétation pour son film Dogman à Cannes. Magari cambiassero, magari. Forza, forza! C'est la lutte des villageois contre cet abandon qui est racontée avec beaucoup de poésie. Si cette histoire se passe dans les années 1950 en Italie, c'est un thème qui reste complètement d'actualité. C'est un drame touchant, plein de poésie. Poète, que veut dire Aspromonte? Monte Lucente, la terre des poètes. Pour moi, c'est la terre des ultimes.